coup, moi j'ai été vice-champion du monde espoir. Et puis ensuite, je suis passé pro à la suite de ce résultat. Et j'ai gagné le Tour de Grande-Bretagne. J'ai porté une journée maillot jaune sur le Tour de France. Et 6e et 10e des championnats du monde chez les pros en 2010 et 2011. Et puis voilà. Les gens viennent beaucoup dans le spa bike parce que donc, déjà c'est individuel, mais aussi voilà, pour les gens qui ont des problèmes de cellulite, de rétention d'eau, pour se sculpter au niveau du corps et surtout au niveau des jambes, enfin, voilà, ils viennent vraiment pour ça. C'était super, le fait de pédaler comme ça dans l'eau, donc c'est vraiment pas mal. Ouais. Franchement, c'est un vrai effort et en même temps, niveau musculaire, c'est dur mais pas traumatisant. Ce qui est intéressant pour nous, c'est les bienfaits ostéo-articulaires. Le travail dans l'eau, c'est un travail qui est en décharge articulaire, pratiquement en apesanteur. Et là, ce qui est très difficile en conditions normales, devient dans l'eau faisable.